Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui s'intéresse encore, et c'est normal, aux élections législatives, avec la deuxième circonscription ce soir, une nouvelle invitée, candidate dans cette deuxième circonscription, Christiane Delaney-Clara, bonsoir. Bonsoir Monsieur Chingan, merci à votre média de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben c'est normal, oui. Puisque je suis dans une dynamique où je veux faire connaître ma manière de voir pour cette deuxième circonscription, oui. Que je salue singulièrement. Absolument, et on le comprend. Alors, candidate dans cette deuxième circonscription, qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Alors, c'est tout simplement la continuité d'une dynamique que j'ai entamée depuis un certain temps. Vous n'êtes pas censé sans savoir que je me suis déjà présentée à des élections. Et moi, mon souci, je suis avant tout une citoyenne consternée et concernée. Et comme en plus, j'ai une connaissance parfaite des institutions de par les études que j'ai faites, j'ai étudié le droit, je suis une révoltée par rapport à la manière dont nous sommes traités, et pas forcément par la France, mais par nos élus, parce qu'il existe des textes qu'on peut utiliser. J'aime à dire que je ne suis pas une magicienne. Regardez le problème de l'eau. Il y a une résolution des Nations Unies de juillet 2010 qui dit qu'aucun territoire ne doit manquer d'eau. Et cette résolution est accompagnée de possibilités financières. Pourquoi ceux qui étaient là et notre députée sortante n'a pas pensé à ça à un moment? Pourquoi nous a-t-elle proposé une structure unique de l'eau? Pourquoi il faut encore qu'on paye l'eau alors que l'eau, oui. Hein, c'est la santé. C'est que cette loi dont est né le syndicat mixte de gestion de l'eau, finalement, repose sur les finances locales. Sur nos propres deniers, il faut arrêter en plus cette eau. On l'a payée, c'est vrai qu'il y a eu des malversations. L'État devait participer à la réparation au moins des canalisations. Non, pas participer, prendre en totalité, oui. Parce que l'eau, c'est la santé. Et la santé, ça fait partie des pouvoirs régaliens de l'État. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, la résolution des Nations Unies, la France l'a ratifiée. Et il faut savoir que grâce à la grandeur de l'outre-mer, dans certaines institutions internationales, la France a 2 voire 4 sièges. Donc pourquoi ils n'ont pas utilisé ? Pourquoi nous faire payer encore et encore ? L'eau, on l'a payée. Sur les lignes que recevaient sur les factures, il y avait une ligne pour la réparation et une ligne pour l'entretien. Pourquoi qu'il faut encore la payer alors qu'il existe des institutions, des leviers? Vous en parlez comme une injustice. Mais c'est une injustice, c'est un scandale. Comment? Parce que, comme je vous disais, nos élus sont censés connaître les textes. Pourquoi qu'ils ne les utilisent pas? Y a-t-il une complicité? C'est vrai qu'il y a une loyauté, pas envers nous, pas envers les personnes qui ont mis ces élus en place, mais envers un gouvernement qui nous insulte, qui nous écrase, qui nous humilie et qui ne nous respecte pas. Mais à qui la faute? À nous. Donc nous avons la possibilité, par une arme, qui est le bulletin de vote, de changer les choses. D'accord. Donc en tout cas, on sent votre détermination à être candidate, à porter les grands sujets de la Guadeloupe. Vous avez parlé de l'eau pour commencer, mais il y a d'autres sujets qui sont prégnants. Il y en a plein d'autres. C'est un chantier. Le problème du personnel soignant. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas... Un vrai thème de campagne, hein, visiblement. Tout non, le monde s'intéresse. Non, mais en plus, c'est normal, c'est la réalité. Ouais. Je ne veux pas ne pas en parler. Le problème de la chlordécone. Regardez, pourquoi on ne prendrait pas un arrêté pour pouvoir réintégrer ces personnes? Et ne me dites pas que c'est impossible, parce qu'il y a attendez, vous vouliez me dire quoi? J'allais juste vous dire que le président de la République a précisé qu'il a envoyé une mission parlementaire flash pour prendre une décision à la fin du mois. Oui, blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi qu'il ne le fait pas maintenant? Pourquoi qu'il ne le fait pas tout de suite? Il sait prendre des mesures d'urgence. Il sait utiliser le 49.3 quand c'est nécessaire pour nous imposer des choses qui sont interdites par des textes. Je pense de l'obligation vaccinale. Il y a des conventions qui interdisent qu'on fasse ce genre de choses. Je voudrais vous parler notamment de ce qui a été décidé Nuremberg, au VIDO, ce sont des textes qui disent que l'homme est capable de ne pas obliger. En plus, c'est un vaccin qui est en phase 3. Ouais. C'est pour ça que la phase 3, ça veut dire que c'était une période, une étape expérimentale. Est-ce que nous sommes des rats de laboratoire? C'est pour ça que mon second de liste, mon suppléant, mon remplaçant, Teddy Mondor, est un personnel soignant. C'est quelque chose qu'il connaît. Donc, je me nourrirai de cette expérience pour pouvoir
le problème de l'eau, la chlordécone, et puis on parle de changement de statut. Alors c'est devenu le mot à la mode, la domiciliation du pouvoir. Oui. Mais quelle domiciliation? Avec quels moyens? Ça se construit. Mais vous y êtes favorable, en tout cas, qu'il y ait une nouvelle relation entre les Outre-mer, entre la Guadeloupe et le gouvernement et l'État? J'appelle de mes voeux tous ceux qui veulent que les choses changent de voter pour moi. Parce que lors des présidentielles, je me suis rendue dans tous les départements d'outre-mer. Et vous sentez que dans la nouvelle génération, qu'elle soit de droite ou de gauche, il y a cette volonté que la France nous respecte. C'est-à-dire que nous ne sommes pas considérés comme des Français à part entière, mais entièrement à part. Et nous pourrions tout à fait, sans faire de révolution, en utilisant les textes, le 73, le 74, faire un cas d'école, une loi organique, et demander à ce que nous ayons un vrai ministère et pas un ministère, pardonnez-moi, bâtard, qui n'est que la simple copie du ministère des militaires. Pourquoi des colonies? Pourquoi nous n'avons pas, nous les ultramarins, un budget inscrit dans le budget de la nation? Le ministère des Outre-mer qui existe, c'est un ministère mendiant. Quand vous avez besoin de fonds pour la culture, pour le sport, il faut aller cogner la porte des autres ministères. Et nous sommes la grandeur de la France. Je crois que c'est Montesquieu qui disait que si la France n'avait pas l'outre-mer, la France ne serait qu'une vulgaire province de l'Europe. Et c'est une réalité. Donc il faut que cette nouvelle génération... Plus de considération, en tout cas. Une relation, pas de la considération. Parce que la considération, c'est encore vous faire une faveur. Oui. Être de vrais partenaires, égaux, par rapport à ce que nous rapportons. On nous dit qu'on coûte cher à la France. C'est archi faux. Quand la zone exclusive économique a été définie en 1982 à Montego Bay, à la Jamaïque, on a décidé ce jour-là quelle était l'étendue du territoire des océans. Tous les navires qui croisent sur les océans qui appartiennent à la France payent quelque chose. Et c'est cette manne financière qui permet à l'ONF, l'Organisation Nationale des Forêts, d'exister. Et je pourrais vous en citer plein d'autres. Donc vous voyez... L'Outre-mer rapporte à la France, en tout cas. Mais bien sûr, c'est certain. Donc je ne suis pas une magicienne. Je suis... pour les textes, tous les textes, rien que les textes, et que nous ayons une relation de partenaire. Et arrêtez de nous dire, quand les gens se lèvent et se sont en émoi devant ça, arrêtez de nous dire, on va vous donner l'indépendance comme nous laisser. C'est nous. Oui. C'est grâce à nous que la France existe. Donc il faut arrêter, il faut inverser la vapeur. Moi, je ne suis pas pour la guerre, mais je suis pour le respect de ce que nous sommes. Et je ne parle pas que de la Guadeloupe, mais je parle de tout l'Outre-mer. Et c'est un vent qui est en train de souffler. Donc sachez que ma venue au Palais Bourbon est déjà préparée, puisque j'ai fait ce travail. Et malheureusement, jusque-là, il a été fait, mais ça n'a pas abouti. Mais il y a une réelle volonté que tous les ultramarins, tous ensemble, se mettent debout, debout, comme j'aime à dire, mais comme un seul homme, et fasse que nous soyons... Il convient quand même de clarifier les choses. Quand vous, dans le cas où vous êtes élu, Christiane de la Néclara, où allez-vous siéger au sein de l'Assemblée Alors, nationale? On sait que vous avez notamment milité aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, s'agissant des élections présidentielles. C'est moi qui ai fait le programme de l'Outre-mer. Alors aujourd'hui, j'ai fait le choix, c'était une convention entre nous, que pour les élections locales, j'y allais sans étiquette, on continue à m'appeler Doubout de la Guadeloupe ou Doubout de Saint-François, et que si je suis élue, et ce que j'espère, vous allez me porter au Palais Bourbon, nous allons travailler ensemble, mais l'idée est de créer une force des Outre-mer avec les ultramarins. Un groupe parlementaire, il faut 20 parlementaires. Nous pourrions le créer, de toute manière, il nous accompagnerait, parce qu'il est pour les Outre-mer et pour un respect des Outre-mer. Je vais vous rappeler qu'il intervenait régulièrement au soir des sorties de l'Assemblée, avec son petit micro, il était écœuré, il a pris position, il est monté au créneau. Les rapprochements qu'il y a eu avec d'autres candidates de cette élection présidentielle, ça ne gêne pas sur le terrain local? Non, ça ne gêne pas. Oui. Et peut-être qu'avant les autres, j'ai eu raison. J'ai envie de vous dire, moi, ce qui compte pour moi, ce n'est pas une histoire de parti, c'est que nous soyons ensemble. Je dis tout le temps, je suis peut-être dans l'opposition, mais une opposition constructive, véative et vigilante, dans l'intérêt
général et pas dans la somme des intérêts particuliers. On en a marre que le peuple guadeloupéen soit sacrifié sous l'autel des petites combines, des entre-soi, des huis clos. Regardez ce qui se passe. Vous comprenez des alliances qui se font. Moi, ma boussole, elle a perdu la tête. Elle ne sait plus entre ceux qui vous disent qu'ils sont investis par un parti et vous apercevez que ce n'est pas ça. Entre ceux qui font des alliances contre nature pour se venger de quelqu'un qui aurait ne pas soutenu un moment. Vous pensez qu'on mérite ça? Il faut se rendre compte que maintenant, le peuple de Guadeloupe a vomi, et je pèse mes mots, ceux qui nous gouvernent. Donc, c'est dans cette logique que je m'inscris, à l'écoute du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le 11, Christiane Delanec, Lara Dubout, la Guadeloupe. Je suis la seule candidate libre de la deuxième circonscription. Candidate dans la deuxième circonscription, vous l'avez entendu, mais vous n'êtes pas seul et la loi nous oblige dans ce type d'émission à citer l'ensemble des candidats dans cette deuxième circonscription. Il y aura donc Dune Ferrus avec Mercedes Platon, Sonia Rotor est candidate avec Raymond Lémoni, Justine Bénin candidate avec Bernard Pancrel, Pauline Couvin candidate avec Nadège Damoiseau, Ludovic Tolassi est candidat avec Paco Iskandar, Michel Tola est candidat avec Mathias Mixture, Christiane Delanec-Lara donc candidate avec Teddy Mondor, Michel Girdari Ramsamy candidat avec Pamela Pommier, Nancy Mathias candidate avec Patrick Roclore, Paola Plantier est candidate avec Caroline Pisane, Christian Baptiste est candidat avec Natacha Gordon, Aline Céril est candidate avec Gérard Valentino, Gérald Bougré est candidat avec Raymond Molia, Steve Rouillard-Siroder fait candidat avec Teddy Tonga et Michel Maxo est candidate avec Floriane Ibo. Voilà, merci de nous avoir suivis. Dernière petite chose, oui. Le personnel soignant des urgences est en grève en France et là, il y a une grève qui va arriver bientôt chez nous. C'est ce que je voulais rajouter. Merci en tout cas d'avoir été notre invité QSD qui s'intéressera encore aux élections législatives. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée avec nos programmes, bien sûr.